Salut tout le monde! Vous vous dites certainement que je suis présentement dans la salle de bain, parce que évidemment, vous voyez la porte ici et puis tout. Non, je suis devant la toilette. Parce que ici, les salles de bain sont séparées. Vous avez la toilette d'un côté et la douche de l'autre côté. Donc, je vais vous faire un petit topo sur les miroirs. Parce que évidemment, quand on s'assoit, on a vraiment envie de se regarder dans le miroir. Mais, évidemment, vous avez le fameux miroir normal de salle de bain qui est complètement dégueulasse présentement. Oups! Oh, vous le voyez presque pas. J'aurais peut-être dû me taire. Donc, vous avez la salle de bain normale qui, vous pouvez le constater, n'a pas de porte, n'a pas de rideau, n'a rien du tout. Et maintenant, que pouvons-nous regarder? Le super miroir qu'il y a dans la douche! Parce qu'évidemment, c'est super important, encore une fois, de pouvoir se regarder et se savonner les cheveux quand on prend sa douche, ici. Et sans vous parler, évidemment, des super mini-miroirs qu'il y a dans les toilettes publiques, un peu partout. Oui, évidemment, on a encore besoin de regarder. Ses cheveux sont beaux! Quand on va aux toilettes, admettons, dans un restaurant, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est super important les miroirs, parce que évidemment on pourrait avoir une couette de travers.